Chaque jour, nous passons un peu plus de temps dans les embouteillages. Vous, en tant qu'étudiant, vous utilisez probablement davantage les transports en commun ou le vélo que la voiture. Néanmoins, la mobilité est un sujet qui vous concerne également. En effet, si pour les entreprises, il est essentiel de pouvoir transporter rapidement leurs marchandises et leurs matières premières, il est tout aussi important pour ces entreprises d'être facilement accessibles pour tous leurs collaborateurs. En effet, le temps potentiellement perdu par les travailleurs dans les embouteillages influencera logiquement le choix d'aller travailler pour la société A ou la société B. C'est pourquoi les entreprises se basent aussi sur la mobilité pour choisir leur lieu d'implantation et donc pour décider dans quelle commune, mais aussi dans quel pays, elles vont s'implanter. Dès lors, une bonne mobilité est synonyme d'activité économique plus développée et augmente par conséquent vos chances de trouver un emploi. Des solutions technologiques de mobilité intelligente peuvent faciliter à fluidifier la circulation. Souvent, celles-ci doivent pourtant avoir accès à toutes sortes de données, indiquant notamment combien de véhicules circulent à quel endroit, quels transports en commun sont disponibles, à quel moment, quelle est la densité du trafic à prévoir à un moment donné, etc. Nous demandons que les autorités ouvrent l'accès à ces données pour que des entreprises créatives et innovantes puissent les utiliser et améliorer ainsi la mobilité. Grâce à ces nouvelles technologies, les véhicules du futur seront autonomes, connectés entre eux et de plus en plus souvent, ils seront aussi électriques. Les autorités doivent prévoir le cadre législatif et les infrastructures nécessaires à cet effet. Des réseaux de communication, notamment 5G, des routes adaptées, des bornes de chargement électrique, etc. Notre ambition doit être de faire de la Belgique une région à la pointe de la mobilité. À l'avenir, nos modes de déplacement seront d'ailleurs de plus en plus souvent multimodaux, à pied, en train, à vélo, en voiture, partagés ou non, ou même par les voies navigables. Les différents fournisseurs et les autorités devront donc collaborer intensément. Bref, nous demandons une meilleure collaboration entre toutes les autorités afin de s'attaquer au problème de la mobilité en coordonnant davantage les différents moyens de transport, en permettant l'utilisation de technologies intelligentes et en y recourant effectivement. Vous souhaitez plus d'informations ? Consultez notre site internet pour tout savoir sur la mobilité.